Et salut à tous, c'est Longfield, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour sans doute une série de vidéos que j'avais commencé sur 42. En plus que le jeu n'allait pas très bien à ce moment-là et qu'il n'y avait pas de contenu. C'était une série de vidéos où j'avais en fait monté les spécialistes maîtrise 40. Et j'avais fait brièvement tout simplement voilà un peu des astuces plus ou moins. Ou en tout cas des classes avec le spécialiste qui pourrait être intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de Crawford, le dernier spécialiste qui a été ajouté à cette saison 2, qui est dans la classe soutien, qui a comme première capacité d'avoir un Vulcain sur pied, donc un minigun en fait, et qui a comme deuxième capacité, lorsqu'il va réanimer, d'ailleurs à la même vitesse qu'une Falc ou qu'une Angel, rendre des munitions. Imaginons que vous réanimez quelqu'un qui a un sans recul, il va avoir une roquette en plus, ou imaginons si quelqu'un a, je ne sais pas moi, une balise de réapparition, mais qui ne l'a pas posée, mais par contre qui n'a plus de grenade, vous allez lui rendre simplement bah, une grenade, ça va dépendre, fumigène, grenade classique, flamme ou autre. En plus de ça, que Crawford réanime à la même vitesse que Falc et Angel, il ne rend par contre pas les 100% de la vie, mais uniquement 50% du coup comme Angel. Alors, Crawford. Comment vous dire que sur le papier, ça pouvait être considéré comme un spécialiste cancer, qui allait peut-être être joué par tout le monde? Bah, en fin de compte, on n'en voit pas beaucoup. Et j'étais assez surpris parce que moi, je m'attendais vraiment que ça se le spam, en fait. Et même sur les nouvelles maps, je m'attendais à que Crawford soit joué bah, presque tout le temps, en fait, sur exposition, sur échouement, peut-être sur des maps avec couloirs, comme par exemple Orbital sur le deuxième secteur en percée. Bah, en fin de compte, pas tant que ça. Et je trouve ça plutôt, on va dire, cool. Alors, je ne sais pas s'il a été plus ou moins boycott ou qu'en fait les gens ne se sont rendu compte que le Vulcain sur pied n'est pas tant que ça fort. Et d'ailleurs, il ne l'est pas tant que ça, étant donné que vous avez vraiment, pour les snipers, des angles morts très simples à prendre. Le bouclier, en fait, protège uniquement en fait le devant. Donc, c'est-à-dire que, à part si vous visez, et encore, même ça, c'est le souci un peu de Crawford, c'est que sa minigun ne fait pas tant que ça de dégâts. Donc un sniper loin aura plus l'avantage que vous en fait. Parce que vous avez déjà en plus la visière qui est quand même assez grande comparée au tout simplement au minigun, enfin entre guillemets au minigun qu'il y avait par exemple sur BF5 ou les anciens BF qui étaient voilà des armes statiques en fait qui étaient posées où des fois vraiment on va dire la zone où on pouvait potentiellement tuer le mec était très très petit. En tout cas, moi je me souviens sur BF5, les mitrailleuses qui étaient sur bipied, vraiment il y avait juste un trait. C'est un trait plus ou moins épais qui permettait de tuer la personne qui était derrière. Et en fait, il fallait quand même être au sniper hein, pour l'avoir. Donc là, on va dire la visière en fait est assez grande. Donc ça peut vraiment vous donner la possibilité. C'est pour ça qu'en fait, Crawford n'est pas tant que ça fort. Hein. C'est juste sur le papier. Mais en game, c'est pas si fort que ça. Et pour ce qui est, on va dire, de comment je l'ai monté Maîtrise 40, j'ai un peu triché. Alors non, je ne suis pas allé sur un mode portal et j'ai demandé à des collègues de spawn plus de 2000 fois, parce qu'il faut faire quand même 2000 kills. Mais j'ai utilisé Crawford lorsqu'il y avait la session, on va dire, uniquement échouement en percée. Et j'ai essayé de tomber en attaque. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir qu'en défense, en fin de compte, c'est pas tant que ça fort que ça. Et j'ai utilisé en fait ma key pour me mettre en fait au top, me retrouver au top dans un premier temps, de poser une balise et d'envers avec la minigun statique avoir la hauteur sur les ennemis, tout simplement. Le but, c'est qu'en fait, le Vulcain sur pied, vous ne devez pas, en tout cas, moi, c'est un conseil que je vous donne, ne la mettez pas à une zone où vous êtes au même niveau que les ennemis, parce que en fait, vu que vous êtes statique déjà de 1, vous êtes potentiellement plus visible, à part si vraiment vous arrivez à poster votre Vulcain sur pied dans une zone qui est peu visible. Mais justement, c'est un peu le souci, c'est qu'on peut pas le poser n'importe où. Et si vous le mettez au même niveau que les ennemis, bah en fait, vous êtes un peu une cible ambulante en fait. Donc, vous suffit qu'il y ait un sniper qui soit au même niveau que vous et à part si vraiment vous arrivez à la voir, c'est lui qui va vous voir en premier, clairement. Surtout qu'en plus de ça, vous êtes repéré sur la map quand vous tirez et vous faites quand même un sacré boucan. Donc vraiment, pour pas vous entendre, faut vraiment le faire.
Donc c'est pour ça que je vous considère de, enfin je vous conseille de mettre et d'utiliser en fait Crawford lorsque vous avez des hauteurs, que ce soit des hauteurs naturelles ou d'essayer de créer des hauteurs en fait avec Mackay dans un premier temps par exemple, le mettre dans un mettre une balise dans un coin qui pourrait vous donner l'avantage et utiliser en fait simplement bah, le Vulcain sur pied et puis bah, après bah, tout ce qui bouge vous lui tirez dessus tout en sachant que il y a très peu d'ennemis. En fait, les ennemis en fait ne se rendent pas compte à ce moment-là. Et c'est un peu d'ailleurs un peu trop tard parce que vous êtes potentiellement déjà en train de les viser. Ensuite, ce qui est aussi très intéressant à faire avec Crawford, c'est faire des backs. Alors, vous pouvez le faire en conquête comme en percée, hein. Je vous conseille de le faire en percée, c'est quand même mieux. C'est d'essayer d'arriver derrière les lignes ennemies et poser en fait le Vulcain sur pied. Et après, espérer que simplement vous en fassiez un maximum. Parce que comme je vous dis, vous êtes quand même assez vulnérable. En plus de ça, lorsque vous posez en fait votre Vulcain sur pied, bah vous avez comment dire une espèce de visière en fait. Hein, donc vous savez pas vraiment si vous avez des ennemis à votre gauche ou votre droite. Et je me suis fait beaucoup de fois avoir de cette manière où il y avait un ennemi qui arrivait, je le voyais pas forcément. Et après, bah c'était free kill en fait. Hein. Et souvent, lorsque vous voyez un Crawford sur sa tourelle et qu'il vous voit pas avant. Bah clairement c'est qu'il vous êtes sur son angle mort et puis là clairement vous avez un free kill. Donc premier conseil voilà d'essayer de prendre la hauteur naturelle. Deuxième conseil d'essayer tout simplement d'avoir un back et après là de rafale tout ce qui bouge. Et enfin le dernier conseil bah qui est un conseil que je j'aime pas trop parce que j'en ai vu beaucoup le faire, bah, c'est prendre des lignes en fait. C'est prendre des lignes sur un couloir. Donc comme je vous l'ai dit, le couloir de suréchouement, le couloir sur exposition, le couloir sur orbital, des couloirs aussi sur décharge, j'en ai vu certains le faire, où bah, vous prenez une ligne et puis vous attendez. Alors, faut le faire, hein, parce que vraiment, Crawford, c'est très 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 long. Hein. 2000 kills ou assistance d'ailleurs, c'est très long à faire. Et en plus de ça, d'ailleurs, c'est un détail que j'ai pas forcément donné, mais au niveau des assistances, c'est-à-dire que si vous touchez un ennemi et qui meurt juste après, vous avez une assistance, mais vos alliés aussi, s'ils utilisent votre tourelle, bah à la fois eux, ça leur monte leur Crawford, qu'ils n'utilisent pas forcément, et par la même occasion, en fait, ils vous rendent des assistances. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas, hein, si vous jouez à plusieurs, imaginons que vous l'avez déjà plus ou moins, vous êtes proche de monter maîtrise 40, voilà, vous pouvez, entre guillemets, partager votre tourelle, entre guillemets, hein, à vos alliés. Ou même ça peut servir un peu plus ou moins voilà de zone de tir pour vos alliés si imaginons vous jouez tout seul. En tout cas, Crawford, ce que je vais en conclure plus ou moins sur ce spécialiste, c'est un spécialiste qui est plutôt cool à monter, voilà. J'avoue que faire 2000 kills avec la minigun, c'était parfois satisfaisant, mais pour autant, le gros souci c'est que vous êtes vraiment une cible. Si vous êtes trop exposé et il n'est pas, on va dire, intéressant sur l'ensemble des maps. Sur toutes les maps que j'ai pu plus ou moins tester, il n'y a que exposition, échouement et un petit peu orbital et décharge où j'ai bien aimé l'utiliser. Le reste du temps, j'étais un free kill. Voilà, clairement, j'étais un free kill et c'était hyper frustrant parce qu'en fait. Dans les situations même où par exemple vous voyez un ennemi, vous vous dites vous allez prendre le temps de poser votre trépied, bah parfois vous n'avez même pas la possibilité de lui tirer dessus parce que vous êtes peut-être trop haut. Hein, et donc du coup bah lui il est pile en dessous de la limite. Ou qu'au moment où vous posez le trépied, bah en fait il y a un sniper qui vous a vu, qui est au fond de la map et qui en fait bah, c'est un free kill pour vous. Donc ça aussi c'est assez frustrant. Donc peut-être attendez les serveurs échouement. 24 heures sur 7 ou peut-être des petits serveurs en ruée, en 64 versus 64, ça peut être intéressant aussi. Il y a des serveurs où vous pouvez monter aussi en tier 1 vos spécialistes. Alors ça, j'aime pas trop parce qu'en fait, c'est du hardcore. Donc une balle suffit. Et en plus de ça, c'est souvent du farm de véhicules. Donc en fait, vous voyez les mecs qui jouent véhicule fond de la map avec le canon AA et qui spam. Voilà, comme ça. Alors, c'est pas très intéressant. Donc, allez plutôt sur des serveurs où c'est plutôt l'infanterie qui est présente à 100%. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et bien évidemment, il me reste encore un spécialiste que je n'ai pas présenté.
lisse. Et honnêtement, je l'ai un peu rejoué dernièrement. J'ai clairement, mais clairement pas envie. C'est trop long. Vraiment, c'est beaucoup trop long. Je vais essayer hein, de me focus à la montée maîtrise 40, mais c'est très très long. Et je suis dessus depuis la saison 1, depuis le début de la saison 1. Et pourtant, il y a eu une période où vraiment je jouais que elle. Il faut savoir qu'en plus, c'est mon troisième spécialiste avec lequel j'ai le plus d'heures de jeu. Donc, c'est pour vous dire que j'ai vraiment passé du temps. Avant, c'était plus ou moins, je crois, c'était c'était Sundance, Mackay et Irish. Parce que Irish aussi, ça a été très long. Mais là, c'est lisse en troisième position et c'est waouh! C'est super long aussi. Donc, bonne chance pour bien jouer pour ceux qui l'ont monté Maîtrise 40 et bonne chose pour ceux qui veulent aussi essayer de le monter. J'essaierai peut-être, espérons avant la fin de la saison 2, monter ce spécialiste. Comme ça, je pourrais me focus à 100% sur le prochain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette série vous aura plu aussi. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!